Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte, monsieur C.C. Raphaël Bas et autres. Venez tous, s'il vous plaît. Maître Kierno Amadouri. Allez-y, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au moment de la pause, je parlais de la présence du colonel Moussa Thiébourou Camara au stade dans le cadre du maintien d'ordre qui a été révélé par l'un des accusés, le colonel Claude Pivi, et l'un des commissaires. Il s'agissait du commissaire Mamadi Kourouma, paix à son âme, le commissaire central par intérim de Dixine. À présent, je vais vous parler de la présence du colonel Moussa Thiébourou Camara au stade au même moment que les Bérets Rouges. Suivant le procès verbal d'audition des témoins en date du 10 juin 2010, côte 950, M. Mohamed Alpha Barry, étudiant demeurant à Tougiwonde à l'époque, déclaré devant le pôle des juges d'instruction ce qui suit. Étant à l'intérieur du stade, nous avons fait deux racates en chantant comme quoi nous ne voulons plus la candidature de Dadis. Quelques instants, j'ai décidé de monter à la tribune. Soudain, nous avions aperçu en première position un groupe de Bérets Rouges. En seconde position, le groupe des gens de la CMIS qui lançait des gaz lacrymogènes. En troisième position, les éléments de Thiébourou. Je suppose, Monsieur le Président, que les éléments du colonel Thiébourou ne pouvaient pas rentrer au stade au même moment que les Bérets Rouges en l'absence de leur colonel, de leur commandant. Ensuite, sur la menace proférée par le colonel Moussa Thiébourou Camara, et son passage à l'acte consistant à tirer et à ordonner de tirer sur la foule. Suivant PV d'audition de partie civile, côte 1046, en date du 5 septembre 2012, Madame Fatoumata Binta Diallo déclarait devant le pôle des juges d'instruction, citation, « Après que le colonel Thiébourou nous a dit deux fois de nous retourner et nous nous sommes opposés, il a dit que tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. » Première menace. À l'audience du 8 mai 2023, M. Abdourahmane Ba déclarait devant ce tribunal avoir vu le colonel Moussa Thiébourou avec un contingent de gendarmes venir vers les leaders politiques en faisant des tirs de sommation devant le portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a menacé en disant « Ne partez pas au stade. Si vous y allez, ne soyez pas surpris de ce que vous aurez là-bas. » Il poursuit. Étant à l'intérieur de la pelouse, le colonel Moussa Thiébourou Camara a ordonné de laisser entrer les leaders politiques et de tirer sur les autres. C'est là où je parle de l'ordre de tirer. Suivant procès verbal
d'audition de parti civil côte 1129, en date du 5 décembre 2012. Monsieur Elaz Ibrahim Abari, mécanicien, demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction sur interpellation-réponse, ce qui suit. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Tcheboro, il nous a menacé en ces termes. Vous allez le regretter. À l'audience du 3 mai 2023, M. Talatou Garanke Diallo déclarait à la barre de ce tribunal que le colonel Tcheboro a menacé en disant que si les gens ne quittaient pas, ils vont les massacrer tous et arrêter leurs leaders. Sur PV d'audition de parti civil côte 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Amdallaye Konkasseur, déclarait au pool des juges d'instruction ce qui suit. Au niveau de la Fondis, suite à une longue discussion avec les leaders politiques, le colonel Moussa Tcheboro Camara a déclaré ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe du colonel Moussa Tcheboro Camara est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant des balles réelles. Ils ont abattu deux personnes, deux jeunes qui ont été embarqués dans un camion par les gendarmes. À l'audience du 9 mai 2023, M. Aldjuma Diallo déclarait devant ce tribunal qu'en répondant à l'appel de Toumba, dès notre entrée à la pelouse, colonel Moussa Tcheboro Camara nous a bloqués et disait « Dalé, je ne t'avais pas dit de reporter la manifestation. Tout ce que tu auras ici, tu l'auras cherché. » C'est là qu'ils ont balayé Elaz Sellou et ont commencé à le rouer des coups. Quand j'ai essayé de le relever, ils m'ont roué des coups. J'ai perdu deux dents et j'ai perdu connaissance. Et enfin, suivant le PV d'audition de parti civil côte 857, en date du 16 mars 2010, Madame Mariama Diallo, couturière demeurant à Amdallaye, déclarait au pool des juges d'instruction en répondant à une de leurs questions, ce qui suit. Je dois souligner que quand j'ai quitté la tribune pour courir vers la pelouse, le ministre Tcheboro était là avec ses gendarmes en train de tirer sur les gens qui couraient sur la tribune. Donc, Monsieur le Président, selon ces parties civiles, les différentes déclarations qu'elles ont faites, le colonel Moussa Tcheboro Camara était bel et bien au stade du 28 septembre, au même moment que les Bérets Rouges. Il a non seulement menacé, et vous avez constaté que les menaces ont été réitérées à plusieurs reprises avant de passer à l'acte, c'est-à-dire procéder à des tirs qui ont occasionné des morts. Arrestation illégale, séquestration, coups et blessures et torture. À l'audience du 18 octobre 2023, M. Lamine Camara, parti civil, déclarait, citation, le 28 septembre 2009, j'ai constaté la présence d'un bus à bord duquel il y avait des hommes habillés en maillot de foot, calmes et silencieux. Les occupants de chaque pick-up souhaitaient recevoir les personnes arrêtées. Ah oui, parce que chacun devrait rendre compte. Donc, il fallait faire courir vers les personnes arrêtées pour remplir ces pick-up. Est-ce que c'est cette question qu'on doit poser? Cette question n'a pas lieu d'être. Hein? Sur les raisons de la présence du colonel lui-même et de ses agents, ces questions sont revenues plusieurs fois dans ce procès. On a souvent entendu que le colonel était au stade avec ses hommes.
alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Avant les événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux organisaient des patrouilles diurnes et nocturnes et s'occupaient également de la surveillance et de l'encadrement des manifestations dans le but de dissuader les bandits. En ce moment, personne n'avait rien dit. Le procureur n'a pas poursuivi le colonel. Il n'a pas poursuivi le colonel Blaise Goumou, Ibrahima Camara Kalonzo, Sori Kondé, Farimba Camara. Personne n'a été poursuivi en ce moment. La seule présence du colonel Olstad n'est pas un crime. Avançons. Les services spéciaux étaient là pour empêcher les loubards de commettre l'irréparable. Je vous donnerai la preuve tout à l'heure. Des témoins directs, non bavards cette fois-ci, se sont exprimés sur cette question. Dans l'un des éléments sonores, on a écouté, il y a des éléments sonores qui figurent au dossier. Le général Ibrahima Baldé, que j'appelle affectueusement l'expert en sécurité et défense, mais c'est un expert. Ah oui, c'est un expert. Ancien chef d'état-major de la gendarmerie a été très clair. Il a été très... C'est ici que je l'ai découvert. Mais un cadre, mais rompu à la tâche. Il dit, face à certains mouvements de foule, je reprends ses propos, les agents des services spéciaux peuvent avoir des renseignements qui nécessitent leur intervention. Mais qui peut mieux parler que lui? Non, personne. C'est un spécialiste de l'affaire. Il continue. Il joue un rôle complémentaire avec la gendarmerie. Mais ces gendarmes-là, ces gendarmes qui étaient aux services spéciaux, ces gendarmes sont détachés. C'est des gendarmes ordinaires de la Guinée. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ce n'est pas une force spéciale. Ils sont détachés. On a dit, bon, venez, le colonel a dit, voilà, sur la base de critères bien déterminés, venez travailler avec moi ici. Et le général lui-même, celui qui a signé, allez, allez-y. Il a dit, en Guinée, tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Et, mais ça, c'est très clair. Tous les mouvements, il dit tout, il a été très clair. Il dit, je suis formel. Tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais qu'est-ce qui va... Est-ce que la question de leur présence va se poser maintenant? Selon lui, le général toujours, il est important, pour justifier l'intervention des services spéciaux, de comprendre la sociologie criminelle. Eh? Non, ce cadre-là. Les gens qui sont payés à plus de 2 millions pour casser. Mais il le dit en toute connaissance de cause, il a des preuves. C'est un expérimenté, rompu à la tâche. 2 millions, payés à 2 millions pour casser. Les gens viennent avouer devant lui. Mais vous voulez, quand il y a des manifestations, que des gens n'aillent pas protéger les citoyens, on se demande, ah, est-ce qu'on pouvait trouver des grands bandits au stade du 28 septembre Pour ce spécialiste du maintien d'ordre, le général Baldé, il y a un cartel criminel en Guinée. Mais il dit qu'il a un cartel criminel en Guinée. Et bien, voilà, il a tout dit. Est-ce qu'on doit se poser maintenant la question relative à la nécessité de leur présence au stade ce jour? Non. Il est encore utile, ce général, pour la professionnalisation des métiers de défense et de sécurité en République de Guinée. Il y a eu un autre débat. Que le général Baldé a dit que c'est le capitaine Thiebro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Mais là aussi, il a été clair. Et ça, c'est clair. C'est normal qu'il le dise. Puisqu'il a voulu dire simplement, il a dit que les gendarmes qui étaient aux services spéciaux relevaient administrativement de colonel Moussa Thiebro Kamara. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est vrai. C'est pas contesté. Mais au stade, qui a vu le colonel donner des ordres
à un des éléments des services spéciaux qu'il a entendu. Personne ne l'a dit ici, en tout cas dans les débats. Personne. Mais comme on est spécialiste de l'invention des faits, on peut avoir des spéculations là-dessus jusqu'à demain, mais personne ne l'a dit ici. Qu'il a donné des instructions à Blaise Goumou, ou qu'il a donné des instructions à Kalonzo qui n'était même pas au stade, ou qu'il a donné des instructions à Farimba Camara, ou qu'il a donné des instructions à Souri Kondé. Il faut prouver. Donc, cela est très simple. C'est pour dire que les gendarmes détachés au niveau des services spéciaux, ces gendarmes étaient détachés, mais pas au stade. Il a été même clair, il a été très clair ici. Il dit comment est-ce qu'on peut savoir exactement, on peut imaginer la question que les juges d'instruction lui ont posée. Qui peut imaginer la question? Et la réponse est là. Donc, revoyez bien sa déposition pour éviter des transformations. Comment peut-il soutenir que ces ordres étaient donnés au stade alors qu'il n'a même pas vu le colonel au stade? Lui, il n'a pas vu le colonel au stade. Ouais, on a encore les faits, on revient toujours aux faits. Et lui, il dit qu'il ne l'a pas vu. Ils ne se sont pas rencontrés. Et comment il peut dire que les gendarmes qui étaient au stade, c'est le colonel qui leur a donné des ordres? Mais ce n'est pas possible, ça. Des questions également sur la planification. Au niveau des services spéciaux, on est allé jusqu'à dire que c'est le colonel, un ministre, ministre de son État, qui procède à la planification au niveau de ce service, des patrouilles. Un ministre. Si on ne veut pas rabaisser l'institution. Mais c'était bien structuré, hein? Monsieur Souri Kondé a été très clair ici, c'est un témoin, un autre témoin direct. Il a déposé en ces termes. La planification avait été faite par le coordinateur Oyamo et non par le colonel. Ce n'est pas le colonel qui m'a instruit d'aller au stade. Je me suis rendu au stade sur la base de la planification du jour du capitaine Oyamo. Mais ça, c'est un témoin direct. Ce qui est ahurissant, qui donne des larmes, mais pas de crocodile. Et quand on raconte que le colonel n'a pas eu de remords, n'a pas eu de compassion, on l'a dit ici, pour les victimes. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est là où, c'est à ce niveau que je parlais d'acharnement. Mais c'est un acharnement. Un croyant, je dis bien, ne devrait pas distiller de telles contre-vérités. Non. Ce n'est pas possible. C'est en 2022 là, il était à la barre ici. Ce n'est pas possible là. Lorsque le colonel a été appelé ici, les images sont encore là, pour son interrogatoire, le colonel, après avoir remercié le tribunal, a rendu hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de le garder son souffle après 13 ans d'accusation. Mais c'est ce que mon confrère Yaramon Sey vient de rappeler. Il a toujours voulu que ce procès se tienne. Il m'a talonné comme ça tous les jours. Il a également remercié certaines personnes et certaines personnalités, dont sa mère et le président de la transition. Il a remercié avant de déclarer ceci. C'est encore consigné dans le plumitif ici. Il dit, Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler des événements du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles et pleurer des victimes de ces événements malheureux. Je dis exactement ce qu'il a dit.
que la terre de cette nation leur soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui.